Donc aujourd'hui, nous allons faire ma recette de tiramisu très appréciée de mes amis eux. Qui est une variation de tiramisu classique, mais fruitée avec des notes que je vais vous expliquer. T'as pas dit un deux. Un deux. Donc, afin de créer le goût de spéculoos. Nous partons d'une galette bretonne bio pur beurre sur laquelle je rajoute un peu de sirop de cannelle. Le fruit, ça va être des fraises. Et ma petite note dans le tiramisu, dans la crème de tiramisu, c'est évidemment ce fruit extraordinaire que je chéris parmi tous les fruits, le gombava. Je vais monter les blancs en neige. J'ai mis un jaune d'œuf, deux œufs, un seul jaune d'œuf pour ne pas avoir trop de goût de jaune d'œuf. Je rajoute du mascarpone d'Italie, la marque Michelangelo. Voilà. Hop. Et donc là, je rajoute le sucre. Et ce qui est très important dans ma cuisine, c'est de faire des plats du jour, c'est-à-dire chaque jour son plat. Je ne dose jamais, je mesure jamais, j'y vais à l'œil. Et c'est très important pour moi. C'est presque une position philosophique. Voilà. Je vais mettre ensuite les fraises là-dedans. Dans la crème, je vais rajouter un petit peu de gombava. Et bien sûr, comme je vous ai dit, je vais rajouter aussi le sirop de cannelle au fond pour imiter le spéculoos. Et voilà.